Hello, traders! It's a new trading day! Hello trader, nous sommes aujourd'hui le lundi 26 juin 2017, vous avez remarqué, pile poil à l'heure. Oui, pile poil à l'heure, pourquoi? Parce que l'émission va durer une dizaine de minutes et après on va se ruer sur les marchés. Alors pourquoi Luc, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc super important, dis-le nous, on va en profiter. Bah ouais, il y a un truc super important. On est encore dans de la fake news, voilà, c'est tout. On est dans de la fake news, si vous avez regardé les actus ce matin, c'est relativement calme en géopolitique macroéconomie, mais je vous dirai pourquoi. Je vais vous parler de certaines choses qui peuvent vous aiguiller sur des opportunités à attraper. Mais il y a surtout une grosse actu fake news et on va vous parler de tout ça. Vous allez voir, je vais vous en parler dans 2-3 minutes. Je vais vous saluer rapidement sur le chat. Je sais que vous êtes très 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 nombreux. Bonjour tout le monde. Vous êtes là, effectivement, tous là. Jean-Luc, coucou. Enrique, coucou. Salah, coucou. En tout cas, tout le monde, salut. 8 pips déjà ce matin. Très bien. Moi, j'ai une position engagée, je ne sais pas si vous la voyez, sur le CAC. Et ça, d'ailleurs, ça fait partie de la fake news et je vais vous en parler. Coucou Arthur, coucou Pierre, coucou Zagwed, coucou Guipi, coucou tout le monde. N'hésitez pas à poser vos questions. J'y répondrai bien volontiers pendant l'émission. Ne tardez pas pour la poser. Si vous attendez la fin, bien sûr, après je n'ai plus le temps. Et vous m'envoyez un mail en disant « Luc, tu n'as pas répondu à mes questions. » Envoyez-moi vos questions dès maintenant. Ça va être une journée relativement rapide à traiter. Vous allez voir pourquoi. À mon sens, on va traiter très tôt ce matin et très tard ce soir. Ah ouais, t'as les horaires? Bah évidemment que je les ai, je vais vous les donner dans quelques instants. D'abord, vous parlez des résultats de vendredi qui sont 40 pips, 40 points. Si j'avais voulu faire mieux, je n'y serais pas arrivé. 40 pips, 40 points, c'est 4 opérations, ce sont des choses qui sont relativement faciles à faire. C'était les choses que j'avais envoyées dans Trader Alert. Vous aviez absolument tout, il suffisait simplement de suivre les alertes. Vous n'êtes pas encore Trader Alert? Foncez, trader avec un S, alerte avec un S.com. Vous êtes déjà plusieurs centaines à utiliser les traders alertes. Ça se voit, vous devenez bon et vous m'écrivez de plus en plus nombreux que vous avez ramassé, à l'instar de Pierre qui a ramassé beaucoup, beaucoup, beaucoup depuis qu'on se connaît. Tant mieux, Pierre a des prédispositions, vous en avez sûrement aussi. Libre à vous de vouloir effectivement augmenter votre capacité de pouvoir d'achat, de vivre différemment. N'hésitez pas en tout cas à vous former. Prochaine étape, 7 juillet, ça arrive très vite. 7 juillet à Paris, je serai à Paris. D'ailleurs, c'est très drôle parce que j'ai des questions où on me dit « Luc, est-ce qu'on peut te voir? Est-ce qu'on peut te toucher? Est-ce que tu es virtuel ?» Ça me fait sourire. Bien sûr, 7 juillet, tu viens. Comment on fait pour venir? 09 80 08 20 11, 09 80 08 20 11. On vous dira tout. Une variation du Nikkei de 0,11, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant, les marchés ont envie d'effectivement d'être un petit peu acheteurs et même s'ils n'avaient pas envie, on les pousse à être acheteurs. Encore une fois, je vous explique tout ça dans même pas 10 secondes. On va regarder l'Allemagne à 10h. Vous vous souvenez, vendredi, je vous ai tout offert sur un plateau. Je vous ai donné les heures dans lesquelles il fallait travailler. Vous le saviez, c'était l'Allemagne, effectivement, qui a tout explosé vendredi. Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit à 8h45, comme tous les matins. À ce sujet, si vous aimez, effectivement, HelloTrader, mettez bien le pouce vers le haut. Ils sont tellement écœurés, là, les deux ou trois, qu'ils se sont encore créés des pseudos pour nous faire une dizaine de pouces vers le bas. Donc, confrontez-les, mettez bien le pouce vers le haut de façon à ce qu'ils comprennent que ce sont des moins que rien. On les remercie néanmoins parce que non seulement ils sont présents tous les matins et ils mettent des vues supplémentaires, mais en plus ils montrent que même s'ils n'aiment pas le personnage, ils adorent HelloTrader. Comme ça, c'est réglé. 10h l'Allemagne, 14h30 les US, mais rien de spécial sous le soleil. Et 19h30 Draghi, le président de la BCE. Alors pourquoi ça va être intéressant à 19h30? Parce qu'on va parler effectivement des taux d'intérêt. Ces fameux taux d'intérêt qui, a priori, seraient revus à la hausse. Et pour cause, on ne peut pas tomber plus bas. Et si ces taux d'intérêt remontent, on va avoir des mouvements extrêmement violents, en particulier sur l'euro. Lesquels, Luc? Tu t'abonnes. Trader avec un S, alerte avec un S.com et je t'envoie tout. Tu auras toutes les stratégies pour pouvoir travailler ce soir. Voilà, tout simplement.
Faites attention, c'est pas parce que les marchés sont extrêmement volatiles que vous allez pouvoir rentrer et sortir quand vous voulez. Alors, je commence à avoir des messages où les gens me disent « Mais Luc, je comprends pas, je paramètre telle chose, telle chose, telle chose, et mon broker ne me le donne pas. » Mais c'est normal, il y a de moins en moins de liquidités. Il va y avoir un gros rallye avant l'été, puis après, pendant l'été, il y aura des coûts à faire. Tout ça, je vous les enverrai sur Trader Alert. C'est pour ça qu'il faut vous abonner aussi à traderalert.com pendant l'été. Parce qu'il y aura des gros, gros, gros mouvements de manière sporadique. Tout d'un coup, tout va exploser et il faut savoir en croquer. Ça s'appelle le rallye, tout simplement. Il faut savoir aussi que l'été est propice à faire passer certains textes de loi ou certaines choses qui vont faire que certaines entreprises vont bouger énormément. Donc, peu de liquidité. Ça veut dire qu'il faut rentrer avec des tailles de position relativement correctes. Ne rentrez pas full marge. Ça ne sert strictement à rien. Pourquoi, Luc, on pouvait savoir que ce matin, les indices, en particulier le CAC, allaient monter très fort? Ben, c'est pas compliqué. Si comme moi, le matin, quand vous vous lavez les dents, vous écoutez effectivement ce qui se raconte sur les chaînes, d'ailleurs, tous ces médias relativement importants que je vous donne dans les formations Trader Ultimate Programme et Pratiquer la Bourse avec Succès qui aura lieu le 7, je vous donne tous les médias que vous devez avoir de façon à connaître ce qui va se passer dans la journée. On était déjà en train de dire quelque chose de relativement important. Et quoi ? Ben, Macron va créer de l'emploi. Macron va créer... Ah, ça, c'est formidable. On est en milieu de l'année 2017, mais on sait qu'en 2017, Macron aura créé, je crois que c'est de l'ordre de 20 000 emplois. Ah bon ? Et vous avez une boule de cristal, comment ça se passe ? Les entreprises vont croître de manière exponentielle. Ah bon ? Regarde autour de toi. A priori, ce n'est pas ce qui se passe. Mais pourquoi, comment ils sont capables de donner ces chiffres-là ? C'est simplement des gens qui balancent une actu. Alors, qui ? De prime abord, les médias. C'est les médias qui racontent ça. C'est pas moi qui vais inventer un truc. On dit aux médias, dis-le. Et le média le dit. Et comme le média le dit, qu'est-ce qui se passe ? Sur les marchés, boum, ça monte. Parce que les marchés ont confiance. Donc tant qu'on a confiance, les marchés vont monter. Quand on va s'apercevoir de la connerie, effectivement, ça risque de redescendre. Donc tant qu'on raconte des trucs comme ça, tant qu'on vous donne de l'actu positive le matin, je dis pas que c'est pas bien. Bien évidemment, on va pas dire tout va mal, on va se suicider. Je dis simplement que comme tout va bien, comme on dit tout va bien, les marchés en profitent et montent, ça c'est clair. Et vous allez voir que si vous êtes sur les CFD tout à l'heure, ça va être la même en couleur. Je me tourne sur le chat rapidement. Alors, bonjour, bonjour, les coucous, bonjour à tout le monde, bravo, coucou, 80 euros pour ça là, très bien, sur France 40, parfait, vous avez vu, il y a des petits gaps, hein. Faites attention aussi, Pierre Tic Tac, il va faire dans l'horlogerie, il va aller travailler avec Nadine, il va faire des montres, Pierre, je vais vous en parler de la Suisse là, juste après, coucou à Daniel, coucou à tout le monde. Arnaud, si vous avez une difficulté, n'hésitez pas à nous appeler 09 80 08 20 11. A priori, vous avez un souci pour recevoir votre trader alerte. N'hésitez pas à nous appeler. Braddock, un broker à me conseiller, Luc. Vous savez qu'on travaille avec deux, voire trois brokers. Et je vous en ai parlé auparavant, mais je suis en train de vous faire une page complète. Je vais vous faire une page complète. On garde effectivement pour les comptes normaux à taille normale, c'est-à-dire au-dessus de 5000 euros, Forex. On garde FXCM pour les CFD et le Forex. On travaille pour les futurs avec Interactive Broker puisque pour l'instant, on n'obtient pas satisfaction auprès d'autres brokers. Et on fonctionne avec les actions avec des gens comme Boursorama. Boursorama, dont on va parler juste après, des gens intéressants, simples, vous pouvez même ouvrir un PEA, pourquoi pas. Le PEA, c'est le plan d'épargne en action, c'est la seule enveloppe qui permet une défiscalisation partielle, non pas totale, mais partielle au bout d'un certain temps. Je vais vous parler rapidement de la Corée du Nord qui est en train encore une fois de se chauffer avec les États-Unis. Il faut faire attention parce que l'été, encore une fois, il y avait une chanson qui disait « j'oublie tout ». Mais non, j'oublie pas tout. L'été, j'oublie pas tout parce que l'été, c'est là où on a tendance effectivement à capter de l'actu importante, la Corée qui chauffe avec les États-Unis. Au bout d'un moment, ça risque de péter. Donc, on va regarder tout ça. Ça permet aussi au marché de monter, ça c'est clair. Attention sur les marchés français, européens en particulier, puisqu'il y a une double place de cotation, Natixis. Natixis qui risque de se prendre une amende record par l'AMF de 35 millions d'euros. Alors, si je vous dis pourquoi, vous allez hurler et sauter de votre chaise. Natixis qui aurait roulé ses clients en leur ponctionnant des frais qui n'auraient pas lieu d'être. C'est honteux d'agir de la manière suivante. C'est comme si les gens n'avaient jamais suffisamment d'argent, ils n'étaient jamais suffisamment rassasiés. Bravo la pub, en tout cas, pour Natixis. C'est fantastique.
La hausse des taux d'intérêt, je vous en ai parlé tout à l'heure. Lookez bien ce soir à 19h30 parce que ça va bouger. Les fameux emplois. Alors Macron, encore une fois, c'est l'homme à tout faire. C'est le roi de France. A priori, il n'a rien fait pour l'instant, mais il aurait tout fait fin 2017 et on le sait déjà. Enfin bref, dans l'histoire, il y a un truc incohérent. Je ne comprends pas trop. Faites attention, encore une fois, à l'été qui est propice aux grosses sorties sans qu'on les voit, tout simplement. Tac. Arthur Laurent, message d'erreur. Je vais régler tout ça. Ça va être réglé dans la demi-heure. Ça va être réglé. Peut passer actif aussi. Tout va bien. Bonjour à tous et merci à tous les traders qui sont venus à Lyon. Ça, c'est notre coucou de notre Aurélien. Aurélien, c'était l'organisateur du Trader Money Show à Lyon où il y avait une vingtaine de personnes. C'était vraiment top. Bravo à Aurélien. Et qui organise le Trader Ultimate Programme au mois d'octobre à Lyon. Le Trader Ultimate Programme qui sera planifié aujourd'hui d'ailleurs sur le site internet Trader avec un S, ultimateprogramme.com. N'hésitez pas à venir à Lyon au Trader Ultimate Programme 09 80 08 20 11. 09 80 08 20 11. Je fais un coucou aussi à Ryan qui vient au Trader Money Show Barcelone. Trader Money Show Barcelone, ça a lieu le 21 juillet. Il reste de la place. C'est ici dans le fief du campus international de trading. Vous pouvez y aller. Il y a de la place, il y a la piscine, il y a tout ce qu'il faut, la plage à côté. C'est terrible. Inscrivez-vous, surtout pour le prix que ça vaut. C'est vraiment terrible. Vous avez une possibilité d'hébergement. On gère votre voyage. On gère absolument tout. 09 80 08 20 11. Il reste de la place pour le Trader Money Show à Barcelone et le Trader Ultimate Programme au mois de juillet. Il reste une place de disponible. Voilà, tout simplement. Frédéric qui sera avec nous le 7 juillet. Pratiquer la bourse avec succès à Paris. On est dans un très beau quartier. À Paris, vous savez qu'on est en train de changer de salle de marché, d'endroit de salle de marché. Je vous en dirai plus. Pour tous les Gold et les Silver et les Ultimate Programmes, de toute façon, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez toujours planifier vos journées de salle de marché avec moi et vous aurez la nouvelle adresse très rapidement. Coucou à Cyril, nouveau trader alerte. Coucou à Josh, nouveau trader alerte. Coucou à Raphaël, nouveau trader alerte. Coucou à Alexandre. Vous êtes très nombreux à être trader alerte, à être devenu trader alerte ce week-end. Bravo en tout cas à vous. François qui nous dit « Le Coury Learning figure du trading est une formation complète pour trader ensuite. » Ben oui, forcément. Attention, les figures de trading ne sont que le composant, un des composants de la méthode de Luc qui permet de calculer la profitabilité et la quasi-certitude. Pourquoi la méthode que j'enseigne marche tellement bien? Parce qu'on a su réunir toute la quintessence de l'ensemble des méthodes fondamentales et graphiques, bien évidemment, qui peuvent permettre de sortir en discrétionnaire des résultats hallucinants. Vous ne me croyez pas? Posez-leur la question sur le chat, vous verrez. Ce ne sont pas des acteurs, ce sont des gens réels et qui gagnent tous les jours. Et d'ailleurs, ce qui est assez troublant, et bon, c'est très flatteur bien évidemment, mais ce qui est troublant, c'est que les gens m'écrivent « j'ai peur ». Je fais un clin d'œil à David qui m'écrit 3 SMS ce week-end en disant « Luc, ça me fait peur, je ne sais même pas si c'est de la chance ou pas, tellement je gagne, c'est fabuleux ». Bravo en tout cas à David aussi. C'est marrant, si vous vous retrouvez hein, dans cette notion de peur parce que vous gagnez, c'est que véritablement vous êtes proche du succès. Donc tant mieux, n'ayez pas peur de gagner. C'est quand même franco-français de dire « j'ai peur de gagner ». Allez-y, prenez. Vous avez des techniques qui marchent, vous avez une méthode qui marche, vous enseignez quelque chose qui fonctionne. Allez-y, profitez-en. Vous n'allez pas laisser le pognon aux autres, croquez-le un peu, zut à la fin. François, donc tout simplement, il est à Montréal au Québec. Et il nous dit, est-ce que je serais prêt à trader avec les figures du trading? Oui, bien évidemment, vous serez prêt à monter des stratégies. Mais il faudra quand même, que, François, qu'on se voit. Vous savez que fin 2017, début 2018, je vais y arriver, c'est dur ce matin. Je serai au Canada, je serai avec vous. Réunissez le maximum de gens que vous connaissez. Si vous faites partie de clubs de trading, prenez contact avec moi, info@traderalert.com. On vous fera des tarifs spéciaux, bien sûr. Canada, si vous êtes en groupe, j'y suis fin 2017, début 2018, tout simplement. Cathy qui est au Canada aussi, à Winnipeg. Elle me dit, je voudrais essayer les alertes, est-ce que ça va marcher avec le numéro canadien? Cathy, ça marche avec tous les numéros du monde entier. On a des gens en Thaïlande, on a des gens à Hong Kong, on a des gens au Canada, on a des gens aux États-Unis, on a des gens en Afrique, on a des gens partout en Europe, même en Russie. Donc je peux vous dire qu'il n'y a pas de problème avec Trader Alert, ça marche. Si vous avez un doute, plus 33 9 80 08 20 11, plus 33 9 80 08 20 11, on fera un test et vous verrez, ça ira parfaitement. Alexandre qui nous dit, je veux les exercices de vacances. Alors, je vous ai fait un truc
top, mais vraiment super bien. Vous allez aller dans Trader avec Hannes, alerteavecHannes.com, vous allez aller en haut, comment ça marche, et vous avez formation d'été. Et là, vous avez tout le programme de formation au trading d'été, depuis la plage avec vos orteils en éventail et le mojito qui va bien sur la droite, hein, toujours sur la droite si vous êtes droitier, ou sur la gauche, c'est très technique, hein, le mojito. Hein. Ce que je veux dire, c'est que vous allez, oui, vous, au mois de septembre, gagner. Grâce à quoi? Grâce au programme que je vous ai monté ce week-end et qui est disponible en ligne. Alors allez-y, travaillons pour gagner, travaillons pour qu'au mois de septembre, vous puissiez gagner. Il faut y aller, n'hésitez pas. Michael qui nous dit, qui est de Mérignac, qui nous passe un coucou. Quelqu'un qui s'appelle Nicolas, qui nous dit, moi je passe par Boursorama. Boursorama, les actions, hein, cherchez pas. Sinon, ils sont détaillants de grossistes sur d'autres marchés. Waouh, Luc, c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué. Si tu veux faire des actions, que tu as un petit capital, tu vas chez Boursorama, tu fais tes actions chez Boursorama dans le cadre d'un PEA ou ce que tu veux, c'est très bien, d'accord, il n'y a pas de difficulté. Par contre, si tu as un gros capital, dans ce cas-là, on va travailler le marché actions différemment. Fais du Trader Ultimate Programme, Trader avec Alès, ultimateprogramme.com, je te dirai tout. Si vous avez envie d'investir sur les actions, venez le 7 juillet. Je vous en parle énormément et je vous donne même une méthode complète le 7 juillet. Vous aurez tout pour commencer à investir correctement sur les marchés. Mais Luc, il se passe quoi le 7 juillet? Le 7 juillet, je vais vous former, vous, face à face, cara à cara, comme ils disent ici. Je viens à Paris vous former et vous donner toute la méthode d'investissement. Je vous parlerai même de day trading. Je vous parlerai de tout ça. Ça créera sûrement des vocations. Si vous avez envie de me voir, c'est maintenant. Alexandre, je suis intéressé par la station de trading 3 écrans. Ben, allez-y, Alexandre. Vous cliquez sur shopping, station de trading, bonnes affaires. Vous prenez votre station et il en reste une. Je crois qu'il doit en rester une. N'hésitez pas en tout cas à vous équiper une petite station de 3 écrans comme ça. Pour débuter, ça fait plaisir. Regardez, je crois que ça vaut 450 €. Quelque chose comme ça, c'est très, 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 très simple. Quelqu'un qui est en Suisse, on pense à Nadine Tréfort qui est là tous les matins. Avez-vous des formations online? Bien sûr qu'on a des formations online. Et cet été, ça va tourner dans les studios, non pas d'Hollywood, mais dans les studios de Barcelone, parce qu'il va y avoir de plus en plus de formations online. Alors, s'il vous plaît, je vais me donner du mal. Mais vous, en contrepartie, d'abord, équipez-vous bien sûr de ces vidéos et gagnez sur les marchés et dites-le haut et fort. C'est important. Royan, où je peux trouver le trade record? C'est des questions récurrentes. Tu vas sur Trader avec Hannes, alerteavecHannes.com. En haut à droite, tu as trade record vérifié. Tu cliques dessus et c'est réglé. Alors ça, c'est et Mohamed. Mohamed, ça fait partie effectivement des messages troublants que je reçois tous les jours et qui nous sort quelque chose d'assez intéressant. Je me tourne d'abord sur le chart rapide pour voir si vous avez des questions. Rapidement, tac, tac, merci Pierre, on remercie, tac, 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 oui, c'était vraiment très, très bien, c'était super. Aurélien, bien sûr, Patrick, je vous appelle au plus vite, je ne sais pas à qui il s'adresse, tac, 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 Guipi, pas changer l'alerte, tout ça, je regarde dans la mire, c'est réglé, merci Luc pour les infos, tant mieux, merci Braddock. Que pensez-vous du Bitcoin? Vous en voulez un graphique du Bitcoin? On s'en fait un dans la semaine de graphique du Bitcoin, d'accord? Je vais vous parler du Bitcoin dans la semaine, je vous dis pas quand, mais dans la semaine, je vous parle du Bitcoin et je vous parlerai aussi de broker Bitcoin. On en parlera, on fera une émission Hello, clairement. Enfin, la canicule est partie. Attention, Denis, à ne pas crier victoire trop vite. Cette canicule, elle n'est pas tout à fait partie. Patrick, bonjour, monsieur Vaudan. Tac, tac, tac. Ah, juste des petites secondes. On m'informe en temps réel. Tac. Alors, bonjour Patrick, Gabriel, Nadine, bonjour, j'habite la Suisse, région du Chablais. Alors, je veux vous rencontrer, tout va bien, je vais me lancer dans le trading avec Luc. Est-ce possible? Ça, je vous laisserai voir sur les forums de Trader Alert. Je viens d'arriver, alors tout va bien, je vais régler cette histoire de petits soucis, ça c'est fait pour ça. Recherche pour tous une salle de marché à Lyon, Aurélien. C'est une blague, bien sûr. Le TMS était bien sûr, c'est réciproque, tout va bien. Les alertes ne bug pas, je regrette, je précise parce qu'il y a beaucoup de messages. Les alertes, apparemment, certains ont un souci pour passer, vous savez, d'actif à inactif. Actif, inactif, c'est un bouton pour mettre play, pause. C'est réglé dans la demi-heure. Guipi, ça ne sert à rien de répéter 10 fois la même chose. On a des oreilles et des yeux. On a vu tout ce que vous nous avez dit. Dans la demi-heure, les techniciens sont dessus. C'est réglé. C'est une broutille. C'est pas grand-chose, mais ça se règle. Vous savez qu'on est en train de traduire Trader Alert dans plusieurs langues. Et il peut arriver, bien sûr, qu'on est dans les rodages. Dans ce cas-là, le forum, on a bien compris. On a bien compris. On a bien compris. On règle le sujet dans une demi-heure.
je continue. Donc je vous disais un message, Mohamed, qui me trouble, parce que vous n'êtes pas le seul, et c'est assez rigolo. Mohamed qui nous dit, Luc, j'aimerais bien te rendre visite pour te poser quelques questions vis-à-vis de ta formation, car je suis très intéressé, mais j'aimerais avoir un autre contact que virtuel avec toi. Je suis en chair et en os, hein. Vraiment en chair et en os. Vous êtes à Paris, je vais vous donner un numéro de téléphone, vous le composez à partir de demain, et on se voit ou demain ou après-demain, comme vous voulez. 09 80 08 20 11, 09 80 08 20 11, Mohamed, vous nous appelez, et on se voit cette fin de semaine. Voilà, ben c'est simple, c'est clair, c'est parti. Quelle heure est-il maintenant? Il va être, il est 9h05, ruez-vous sur les marchés, en particulier sur les indices. Moi, avant même de rentrer sur les marchés, je vérifie l'histoire du actif, non actif pour ce qui est des alertes et on va régler effectivement cette difficulté-là. En tout cas, il y a à prendre ce matin, souvenez-vous, ce matin jusqu'à 11h et après 19h30. Le reste du temps, piscine. Take care, tchuss, enjoy.